Salut mon Saiyajin. Hier, j'ai vu une vidéo de Thibaut Inchep. Qui est le plus fort entre lui, Michou, le Bouzeux, Valouz et Dobby? J'avoue que j'ai pas regardé la vidéo dans son intégralité parce que je voulais aussi la découvrir avec toi en temps et en heure, en plein live pour débattre aussi des performances et des challenges. Tu sais que moi j'adore les challenges, j'adore faire des pompes avec les délits, avec les œufs et tout ça. Et je me suis dit tiens, j'avais envie de découvrir un petit peu son monde à lui qu'il a pu inviter pour pouvoir faire ce challenge. Et j'avais envie de voir un peu ce que ça pouvait donner. Et derrière aussi, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est ça aussi la partie la plus, je dirais, pimpante, la plus excitante. Eh bien, je te montrerai également mes performances, non pas pour pouvoir essayer de battre chacun d'entre eux, mais dans le titre de la vidéo, tu l'as pu le constater, mais c'est pour aussi que tu puisses inciter à regarder cette vidéo. Mais le but principal, tu me connais suffisamment bien, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, merci les fidèles, enchanté à tous les nouveaux. C'est pour pouvoir savoir ce que je vaux à l'instant T, d'accord? Et comme un Saiyajin, comme tu peux le voir avec ses jolies figurines Nihon no Sekai, le but simplement c'est de faire un peu mieux chaque jour tout en appréciant son niveau actuel. Là est le principal but de cette vidéo pour se challenger, ok? C'est parti pour l'analyse, let's go! On va analyser ensemble du coup les performances, let's go! C'est parti, on ne perd pas de temps, premier exercice, 30 secondes de plus, le plus vite possible, regarde, putain! Il les amène direct, il les met directement au charbon, ça c'est bien. Bouzy premier. On doit faire des pompes, c'est ça? Allez, Bouzy. 1, 2, 1, 2, c'est parti. Les pompes, c'est parti. Non, les pompes, c'est pas des pompes, ça. 0, 0. Ah là, c'est une vraie pompe. On fera en sorte de toucher du coup la poitrine au sol. Et il fait des pompes claquées, hein. 6. Il rigole pas, hein. Super. Pompes claquées derrière. Et franchement, déjà pour commencer, j'aime bien l'ambiance, que c'est ça aussi que moi, je trouve ça cool dans les challenges. C'est pas juste d'essayer de montrer qui est la plus grosse finalement, mais de créer vraiment une ambiance chaleureuse où tout le monde essaie de se surpasser dans la joie et la bonne humeur. Et franchement, ça, on le ressent bien dans sa vidéo et ça, je trouve ça vraiment bien. Là, j'ai grossi, j'ai grossi. Ça, je kiffe aussi, c'est qu'en fait, ils s'entraident tous, voilà, ils s'encouragent tous. Et c'est pour moi, ça, c'est un vrai challenge. Le but, c'est pas de faire 50 000 pompes. On s'en fout un peu de savoir qui en a fait le plus. Mais de savoir dans un contexte comme celui-ci, c'est de s'encourager. C'est ce que moi aussi, j'adore mettre en avant, du coup, dans mon approche. What the fuck? Michou, are you ready? Michou, c'est parti. Michou. Il est bon, hein? 8, je l'ai battu. 13. Non, mais c'est la jeunesse. 15, putain, 16. Ouais, allez, 7. Franchement, bonne endurance. Putain, merde. Ok. 29. Allez, 23. Allez, 24. Encore 25. Allez, 20 secondes. 26. 26, validé. Franchement, belle perf, hein, Michou. 26 pompes en 30 secondes, c'est vraiment bon. Et puis, franchement, ce que j'aime bien, c'est que ouais, ils se donnent tous à fond. C'est ça aussi, cet esprit un peu d'équipe et tout ça. Michou, sans vouloir donner des conseils ou quoi que ce soit, mais il gagnerait en plus à en faire plus s'il ne faisait pas d'hyper-extension. Mais bon, voilà, franchement, ce que j'aime bien, c'est cette mise en avant de se donner à fond. Puis on voit leur visage, ils deviennent rouges et tout. Le premier Bouzy, il s'est chié dessus. Mais je trouve ça super, franchement, de cet esprit d'encouragement, d'équipe. L'esprit collectif à Thibaut. Ah, il est chaud lui, hein? Il est chaud! Ah ouais! Et je suis sûr qu'il aurait été capable de pouvoir continuer, hein. Je suis sûr. On le voit hein, dans sa perf et tout, bon, il est gainé, il est propre, et aussi ce que j'aime bien dans ses pompes, c'est qu'on sent que lors de la descente, il est intelligent, il relâche aussi un peu la descente pour aller plus vite. Et du coup, j'hésiterai pas à utiliser la même technique et je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir ça, d'accord? Mais franchement, belle perf, très belle perf de Thibaut Inchep, bravo. Je veux un Dobby, 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 oh purée, il a fait un salto, on dirait. Allez,
Il est chaud lui, hein. Il a l'air d'être chaud lui. Hein. Ok. Le mec, il a il a commencé avant le temps. C'est bien, ça me courage. C'est ça aussi l'esprit d'équipe. Il lâche pas, hein, il lâche pas. Hein. Il s'est pris un coup dans les fesses. Franchement bien. Voilà, c'est ça, l'esprit. On danse. Ça, c'est pas trop le bordel, la vidéo, Juju. Ah bah, ça fait 5 minutes que c'est n'importe quoi, mais ça va être très bien. C'est ça qui est bien. Mais ça qui est bien, c'est quand c'est n'importe quoi. Allez. Il est bon, lui, hein. Allez. Tu vois comment il s'encourage là, je kiffe ça. La Michou, il est à fond de ouf là. Comment il encourage. Et tu vois, hein. Ah ouais, il s'est bien donné à fond. Valouz, franchement bien. Hein. Donc on a les perfs, 38 pompes, Thibaut Inchep, Michou, 26 pompes, Valouz, 21 pompes, Dobby, 9 pompes et Le Bouzeux, 8 pompes. On va voir du coup mes performances. Let's go, my boy! Le niveau est élevé. J'ai besoin d'activer mon Kaioken! Le temps pour moi de commencer par les pompes. Let's go, my boy! C'est parti, nouveau défi! Qui est le plus fort? Oh. Qui est présent? C'est parti! Ok! Let's go, my boy! Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, Je viens d'effectuer 40 pompes en 30 secondes. Alors je suis plutôt content, même si mon record précédent en 30 secondes c'était 46 pompes. Néanmoins, là j'ai essayé d'être le plus propre possible. Et donc si toi aussi tu veux le faire le défi chez toi à la maison, je te partage une technique que j'utilise régulièrement. C'est lors de la descente de relâcher en fait. De relâcher pour aller plus vite, pour pouvoir rebondir derrière. Dans une vidéo passée, j'avais fait 46 pompes, mais c'est vrai que je balançais un peu plus mon corps. Donc du coup, je suis content de mes performances. Et le but, une fois de plus, c'est d'être content de soi pour se surpasser. Et je t'invite à le faire à la maison. Si tu veux faire le défi, mets un pouce vers le haut. C'est parti pour le squat. Here we go! Deuxième round, des squats. Des vrais squats. Hein. Oh. 3, 2, 1. Squat. Stop, c'est parti. La baguette. Plus bas, Ah, faut bien descendre bien bas. Ok. 2, 3, 20 secondes. Mais attends, mais tu vas être 4. Mais va plus vite. 7. Ouais, j'attends. Kakashi Sensei. 7. Allez. Essaye de mettre les mains sur les hanches. C'est gagner du temps. 14 squats. Franchement, pas mal le Bouzeux. Michou, next. Allez, Michou, let's go. Let's go, my boy. Ah ouais, il veut vraiment faire des squats, hein. Bien complet. Quand tu vois en fait, il dépasse au niveau de la hanche. Moi, je fais des squats généralement au niveau de la hanche. Ah ouais. Il va sortir un bail sexy là. Ça a complètement déconcentré Michou. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Challenge physique, challenge sexy. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a bien mis en avant. Malgré tout, hein, 18, c'est énorme. Ah ouais, je sens qu'il va être chaud, lui. Ah, oh, il est bon, hein. Technique des bras, là. Je mémorise. Technique des bras, je mémorise. Ah ouais. Limite, on dirait qu'il saute tellement il va vite. Ah ouais. Tortank. 30 squats en 30 secondes. Ah, il est chaud, hein.
si tu arrives à faire 30 squats en 30 secondes, franchement, là, franchement, Thibaut Inchep, je sais pas si je peux faire mieux que ça. Franchement, je sais pas. On va voir. Franchement, bravo. Super 1, c'est la technique des bras. Et lui aussi, il a capté le bail des bras, là. Je vais faire la même chose. Mais il fait des trucs... On dirait qu'ils volent. Franchement bien. Ils assurent les gars, ils sont, sont à fond, ils sont motivés. Il y a une bonne vibe. Allez. On dirait qu'ils nagent. Ils font tous des squats bien stylés en fait, en vrai. Hein. Et il est chaud, Valouz. Très très chaud. Donc, 30 squats pour Thibaut, franchement un score de ouf. Valouz 25, un très bon score. Dobby 24 squats, Michou 18 squats, je pense qu'il aurait pu en faire beaucoup plus. Il a été, je dirais, déconcentré. Et puis il y a le Bouzeux 14 squats qui est aussi un bon score. Néanmoins, là on reste sur du 30 secondes, donc du coup c'est extrêmement bien pour tous. Et c'est parti pour les squats, mon Saiyajin. Let's go my boy! J'essaie de bien descendre, ça va être chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, je sais pas. On va voir. 28 squats, je savais hein, quand j'ai vu la performance de Thibaut que ça allait être chaud. Il est vraiment hyper explosif. Franchement, Thibaut, je te tire mon chapeau. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est de voir un peu le niveau des autres, mais surtout se comparer par rapport à soi, par rapport à mon évolution. Là, j'en ai fait 28. L'idée, c'est de me surpasser, d'essayer de me surpasser moi pour faire 29 la prochaine fois, puis 30, puis 31. Voilà. L'idée, c'est de chercher à s'auto-surpasser. On passe directement au troisième exercice, le burpee. Et là, je peux te dire que j'adore ça. Let's go! Le burpee, je suis bien curieux parce que c'est un exercice hyper cardio. Et je suis curieux de voir un peu ben, ce qu'ils vont faire, les 5 personnes. C'est parti! Allez, c'est parti! Il fait n'importe quoi! Ah ouais, il fait des... Il a inventé le burpee en fait. Il a inventé lui le figure du burpee. Oh, il a fait le Genki Dama, t'as vu? De Goku. Ah ben c'est bien, il est créatif. Trop bien. Bien, franchement, propre de ouf. Ah, il tend bien en plus. Il gagnerait à sauter moins haut, je pense, pour en faire plus. Hein. Parce que si c'est le défi, c'est d'en faire le maximum. Après, c'est joli. Ah ouais. Et franchement, avoir joué avec Michou dans de le Tag Master, il a une super belle endurance, hein, franchement. C'est un gars qui est tonique. Et je crois qu'il a étonné tout le monde aussi hein, dans le Tag Master. Donc j'ai eu la chance d'y participer. Et c'est vraiment un gars hyper endurant. Après là, je pense que c'est juste un avis perso, mais il gagnerait à en pouvoir faire plus en sautant un peu moins haut, puisque l'objectif c'est d'en faire le maximum possible. Let's go, my boy! Ah, ils l'ont mis la pression là. Donc il y a 15 secondes de décompte. Ah ouais. Donc il met les coudes au-dessus de la tête. Et on voit, hein, il fait des vraies pompes et quand il saute, il décolle un tout petit peu du sol. Mais pas de ouf non plus. Du coup, je pense que je vais utiliser la même technique. Il est gainé, hein. Il est gainé partout. 16 burpees, ok. 16 burpees, c'est énorme parce qu'on se rend pas compte parce qu'il y a le temps de descendre, le temps de monter, le temps de faire une flexion-extension. C'est des pompes et presque des squats et des extensions en même temps. Donc c'est difficile, hein. On ne peut pas faire le même nombre que le nombre maximum de pompes en 30 secondes.
Voilà, ce qui c'est un mouvement complexe. D'où justement le fait qu'il soit si intéressant lors des programmes de prise de masse musculaire, mais surtout pour avoir un physique athlétique. D'ailleurs, dans mes coachings, pour ceux qui veulent me faire confiance, c'est ce que je propose dans mon approche. Hein. Donc, des burpees, mais encore une fois, il y a différents niveaux. Vous pouvez faire sur les genoux, vous pouvez faire en sauter. Comme il l'a montré, bah, vous pouvez le faire aussi avec une extension légère pour aller plus vite, mais aussi pour réduire les impacts. En tout cas, pour ceux qui souhaitent être coachés, je vous informe, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, enchanté, que je suis coach sportif diplômé d'État. Ça fait 16 ans que j'ai la chance d'animer ce métier. Et que pour ceux qui souhaitent aller plus loin, allez aussi sur mon site alexlevent.com pour ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Let's go. Voilà. Dobby. On dirait que sa dernière heure. Il se donne à fond, c'est bien. Tcha. 34 35. Mais non. Un certain nombre de burpees. Je crois que ça a bugué, il a fait 33. Bon, on va dire qu'il a fait 33 burpees. Franchement, même 10 burpees, quand t'as pas l'habitude, c'est chaud. Ton cœur, il bat de ouf. En plus, il saute bien. Hein. Ils donnent à fond, c'est bien parce qu'en fait, ils trouvent des compensations naturelles. Tu vois, ils mettent un pied après l'autre. Ça permet en fait de réduire l'intensité et d'y aller à votre rythme. Et tant que vous faites ça, tant que vous êtes dans le mouvement, vous êtes, c'est bon, c'est OK. Il le fait naturellement. 8 burpees. C'est exactement ça. Franchement, c'est le plus important, c'est la valeur du dépassement de soi. Et quand on parle de soi, c'est par rapport à nous-mêmes, d'accord, pas par rapport aux autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, elle m'a titillé par rapport à moi aussi, par rapport à mon niveau actuel, ce que je peux produire par la suite. Are you okay? You burpees, let's go my boy! Hey, push, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et comme tu peux le voir, franchement, pour te dire la vérité, mon Saiyajin, il y a juste eu une trentaine d'efforts. Et je suis un sûr de ouf. Et c'est ça qui est bon. Quand on se challenge, on devient une version 2.0 de soi-même. Et franchement, merci encore à Thibaut et à toute la Team Shape d'avoir pu matérialiser ce défi en forme de vidéo, ce qui m'a motivé à en faire de même. Et puis, j'ai envie de te dire, franchement, fais-le également à la maison. Échauffe-toi avant, 10-15 minutes d'échauffement. Si tu ne sais pas comment t'échauffer, je t'invite à cliquer sur un lien dans la description de ma vidéo. Je te montre comment bien t'échauffer au poids de corps. Moi, j'adore le poids de corps. Et franchement, au poids de corps, tu peux également progresser, te surpasser, également avoir un physique athlétique. Encore une fois, pour ceux qui me voient pour la première fois, enchanté. Et merci encore à tous les fidèles. Et ceux qui souhaitent se surpasser, je propose aussi, et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais désigner également des amis pour faire ce défi. Mais je propose également du coaching pour avoir un physique athlétique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Car les Saiyajins, il y a aussi des femmes dans Dragon Ball Z. Je pense à C18, je pense à Chichi, je pense à Bulma, d'accord, à Pan, à Videl. Et donc, ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site alexlevent.com pour ton coaching. Et puis même, moi, dans le délire à Dragon Ball, pour ceux qui me voient pour la première fois, sachez que j'ai également sorti une application dédiée à mes personnages, à mes héros préférés. Pour avoir le corps de Goku, pour avoir le corps de Vegeta, pour avoir les pecs de Broly, pour avoir le corps de Titan Saiyan, Eren, pour ceux qui connaissent Attaque des Titans. Et puis encore une fois, merci encore à Thibaut et à toute sa Team Shape. Je remercie également, du coup, toi d'avoir vu cette vidéo-là. Je désigne maintenant mes amis parce que je trouve ce challenge vraiment hyper ludique, hyper marrant. Je défie mes amis à relever ce défi. Je pense à mon ami Pat Larrea. Je pense à mes amis Alex et PJ de la chaîne Body Time. Je pense à Solid Mike. Oh, like. Je pense à Frank Ropers. Je pense aussi aux filles Sissi Mua, Aline Dessine. Et aussi, je pense aussi à mon binôme, Bruno. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai pas prévenu, Bruno. Hein. Mais du coup, je pense que ça peut être vraiment marrant. Il a déjà relevé, du coup, mon défi full body au poids de corps. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je mettrai également le lien
dans la description de ma vidéo. Il a fait mon full body au complet. Et puis, il m'a aussi tétanisé avec, à son tour avec les exercices en salle. C'est ça qui est bien également. Tu vois, il n'y a pas de notion réellement de compétition du tout. C'est plutôt une compétition avec soi-même. Et donc, de s'auto-surpasser un petit peu comme l'esprit des Saiyajins, tu sais, Vegeta. Et ben, du coup, à chaque fois, ça lui prend dans son ego à chaque fois qu'il voit Goku surpasser. Mais c'est aussi grâce à ça, quand tu nourris l'ego du bon côté, que tu deviens meilleur. D'accord ? L'ego, il ne faut pas le nier. Par contre, il faut nourrir le bon côté qui permet en fait de se surpasser en fait. Donc, pas écraser la tête des gens, pas du tout, mais au contraire, utiliser, admettre la puissance des autres pour s'auto-évaluer. Mettez un pouce pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour soutenir également ce défi. Et à tous les habitants de la planète pour pouvoir le faire, partagez ça de niveau international, toute la France et aussi tous les pays de la Terre. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.